Présente-toi. Je suis Cheyenne, donc je suis journaliste, spécialiste, comme on dit, de la culture hip-hop et particulièrement de la danse, bien sûr. Je suis aussi culture émergente, mais je suis journaliste généraliste aussi, où je traite d'autres sujets. Mais ma passion, c'est la danse hip-hop. J'ai commencé par là. C'est ça qui, d'ailleurs, m'a donné envie d'être journaliste. C'est C'est-à-dire? la danse hip-hop qui m'a donné envie d'être journaliste. On est en quelle année, à quel endroit et comment t'as découvert la danse? Ouais. On est à Paris, dans le 18e arrondissement. C'est là où j'ai grandi. Et j'ai des grandes sœurs. Notamment, il y en a une qui a 10 ans de plus que moi, qui a pas mal bourlingué dans les années 80, qui s'est retrouvée à New York. Voilà, un peu comme ça, par passion pour New York, mais finalement, elle n'avait pas de Quelle année, dans les RAS. années 80, tu sais ou pas? Elle est allée, je me souviens plus très bien, 84, 85. Ouais, donc vraiment les Ouais. débuts, quoi. Ouais. Les Et on débuts que ça partageait la même invente. chambre, et donc du coup, elle est rentrée de New York avec des cassettes. Moi, j'étais bébé, hein. Enfin, j'étais bébé. J'étais vraiment une gamine, et du coup, elle me faisait rapper, elle avait ramené des cassettes, parce que tout de suite, elle avait eu le coup de cœur pour cette culture. Et elle l'avait découvert, elle traîne dans les bonnes boîtes avec les bonnes personnes, et donc elle était rentrée de là-bas. Et voilà, on a 10 ans de différence, donc elle m'a mis des cassettes, et moi j'ai appris en onomatopée, Don't push me, cause I'm cause. Et c'est comme ça que j'ai découvert ça. Après, on a eu donc Sydney à la télé, et là du coup, ben, wow, c'était génial, on faisait la vague dans la cour avec les copains et les copines. Voilà, c'était comme ça Ouais, ma t'as. découverte. Du milieu, mais moi j'étais encore une gamine, donc du coup, voilà, pour moi ça s'est arrêté là. C'est ma sœur qui. Je le vivais par procuration en fait. Elle allait dans les soirées, elle a vécu toute cette période, elle a connu les bonnes personnes, elle a fait pas mal de sorties avec les graffiti artistes aussi, et donc elle me racontait tout ça, et moi j'écoutais ça comme une gamine, comme si on me racontait des histoires de princesse, quoi. Sauf que c'était l'histoire des débuts du hip-hop à travers ses yeux, à travers les soirées, les sorties graffiti, les danseurs, les ronds, elle adorait danser aussi, mais voilà, c'était comme ça, quoi. Je vois, Et c'était. je vivais ça par procuration. Et puis du coup, voilà, en 90, j'ai 15 ans, je suis au lycée, et là, avec une copine, notre prof d'éco, il nous dit, bon, bah, vous avez un projet à faire à l'année, et là, vous devez me pondre un bon projet, tout ça. Et là, on se regarde, elle s'appelle Sister Shefa, et là, on se regarde, et on se dit, bah, tiens, si on faisait un fanzine sur ce qu'on aime, parce qu'elle aussi, elle était hip-hop, et donc, du coup, on s'est dit, tiens, on n'a qu'à faire un journal, on va faire un fanzine, on va fabriquer nous-mêmes, on va faire des interviews, et on va justement parler de ce que nous on aime, mais il n'y avait rien à l'époque, quoi. Avant, il y avait juste, il y avait Zoo Letters un petit peu avant. Get Busy, Get Busy aussi. voilà. Mais nous, on s'est dit, bon, nous, on n'a pas les moyens d'aller faire des interviews de rappeurs américains, tout ça, donc du coup, on va faire ça français. Donc on a fait un truc 100% français, ça s'appelait Yours. Ouais. Et donc du coup, on a monté le projet toutes les deux avec notre prof d'éco, et il a dit, ouais, c'est génial, votre truc, machin. On a commencé à l'imprimer au lycée, on a interviewé les gars qu'on connaissait, parce que bon, ceci dit, à l'époque, la communauté, c'était ça, hein, donc c'était facile de les avoir. Donc on avait fait les sages-peaux, voilà, Ouais. Donc c'est tout ça. voilà, on avait fait des petites interviews comme ça. Et Mais les moi, ma danseurs aussi? première interview, bah, c'était Walid, parce que du coup, on s'est dit, voilà, Walid. comment on va faire notre fanzine? On va faire une rubrique DJ, une rubrique rap français, une rubrique danse, une rubrique Alors si graffiti. c'est Walid, ça devait être 92 peut-être. Toi tu penses c'est vraiment 90 Et ou 91 il a été connu en 80, peut-être. début 91, il commence Enfin, je sais qu'on a commencé le fanzine et au départ, il n'y avait pas particulièrement d'interview de Ouais. danseurs. La première rubrique danse, c'était avec Walid. C'est la première interview que j'ai faite dans le fanzine Yours. Et c'était la première fois qu'il y avait une rubrique danse hip-hop, où que ce soit d'ailleurs. Ouais. Et j'en ai parlé plus tard d'ailleurs avec des Américains et tout ça. Ils m'ont dit, c'est vrai qu'on n'a jamais eu de rubrique récurrente de danse, même sur nos supports aux États-Unis. De temps en temps, ils faisaient un dossier sur la danse dans les magazines de l'époque là-bas, mais il n'y avait pas tous les mois Ouais. une rubrique danse. La seule qui était régulière, c'était du coup la mienne qui avait commencé dans Yours et qui s'est prolongée après, 5 ans après, avec le magazine Radical. Et donc bah voilà, donc dans Yours, voilà, ma première interview, j'ai dit, moi je veux faire la danse parce que j'adore ça et que voilà, c'est tout. C'était plus un feeling. Et puis tu vois, elle a dit, bon, moi je fais rap, moi je fais DJ, et voilà. Et donc du coup, chacune, on s'est réparti comme ça nos rubriques. Et C'est un gratuit? c'était un gratte. Non, pas du tout, excuse-moi, pas du tout. Non, non, c'était payant, ça devait être 15 francs
Et tous les mois? Alors, on voulait tous les mois, mais tu sais comment c'est, ouais. Fabrication, on a agrafé nos trucs, on polycopiait en secret dans le lycée, tu vois, donc du coup, c'était un peu pas très régulier, quoi. On le vendait à Ticarette, on le vendait à Châtelet, sous manteau, dans les soirées, on essayait, dans les soirées. J'avais 15 ans, hein, 15, 16 ans, du coup, bon, j'ai pas trop en soirée, mais là où je pouvais aller, quand j'arrivais à sortir, on essayait de le vendre comme ça, quoi. On était des VRP de Yours. Yours, votre fanzine, le fanzine qui donne la parole aux acteurs français. Voilà. Après, moi, je me suis un peu mis dans les études. C'est Sheffa qui a vraiment repris le flambeau du magazine. Elle l'a fait durer, elle l'a fait progresser et tout ça. Et je suis revenue après, quelques années après, ben, ça devait être 94, 95. Ouais. C'est là où moi, j'entends parler de toi. Exactement. Vraiment. Exactement. T'avais 20 ans. Non. J'ai eu 18 ans, 19 j'avais. Ouais, enfin 19 ans. Ouais, 18, 19. Et donc du coup, voilà, c'est là que j'ai repris la rubrique danse, machin. Stéphane m'a dit, bien sûr, reviens et tout, machin. Donc on a fait des beaux dossiers sur une compile qui s'appelait La Belle d'ailleurs, avec que des rappeuses françaises. C'était super sympa. On était chez Barclay, on était reçus comme des reines, on avait des bureaux, on a sorti un numéro spécial financé par Barclay, et là c'était waouh. Mais comment il s'est intéressé à votre travail? Bah parce que Sheffa, justement, elle était très présente dans les soirées et tout ça, donc elle a eu les bonnes connexions. C'est la Cathy Guetta, quoi. Ouais, elle a rencontré les bonnes personnes, je pense, dans la musique. Elle rappait, elle aussi. Ok. Donc du coup, elle est aussi sur la compile. Et donc, du coup, ils se sont dit, allez, on vous finance, les filles, on vous donne pour votre fanzine qui est bien, on vous donne un certain budget, et faites vos interviews, faites une belle maquette et tout ça. Et donc, on a eu un Yours magnifique, le numéro 13, très beau. Et le dernier, malheureusement, aussi. Pourquoi? Bah parce qu'après, il s'est arrêté à cause de financement, de trucs. Après, effectivement, moi, du coup, j'ai été démarchée par Radical. Mais c'est donc, ça. On avait la rage, on était dégoûtés qu'il y ait un magazine. Quand on a entendu cette rumeur, quoi, il va y avoir un vrai magazine vendu en kiosque sur le hip-hop, on était dégoûtés. En vrai, on était dégoûtés. Mais en vrai, on bavait, on se disait, waouh, mais c'est trop bien. Ça, on aurait dû le faire si on avait eu les moyens, quoi. Mais comment t'as été... qui va le faire d'ailleurs. Ouais. Et qui et c'est qui le directeur de Radical? Alors ils étaient deux, Christophe Wanis et l'autre il s'appelait, c'est un piège. Bon. Je sais plus, je me souviens plus. Désolé. C'est il y a longtemps, enfin c'était il y a 21 ans. Mais toi comment t'as été approché pour travailler pour Radical? Bah justement, ils cherchaient donc quelqu'un qui puisse écrire sur la danse, qui sache écrire aussi, parce qu'ils savaient que c'était un milieu quand même compliqué, avec beaucoup de passionnés, beaucoup d'activistes, mais ils ne savaient pas forcément écrire là-dessus. Moi, il se trouve que voilà, j'aimais la danse, que j'allais en soirée, j'ai dansé un petit peu aussi avec ma sœur, on avait un petit duo, ouais, voilà, et on a fait 2-3 scènes dans des festivals en grande banlieue, enfin bon, voilà. Mais j'ai très vite réalisé que c'était pas ça, moi, tu vois, j'étais pas une danseuse. Mais en revanche, ce qui me foutait la rage, c'était tous les reportages télé que je voyais à l'époque sur les danseurs hip-hop et qui parlaient d'eux comme, voilà, ce sont des cas sociaux, on est dans la banlieue, machin, bidule, on va dire Gérard était dealer et maintenant, grâce à la danse, il a été sauvé, tout ça. Voilà, et je détestais ça. Et la caricature. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas du tout les gars que je connais, c'est pas du tout les gars que je vois à l'entraînement qui parlent danse du matin au soir, toute la nuit, même dans leur nuit, dans leur rêve, ils dansent, les gars. C'est des artistes, c'est des passionnés, ils sont à fond. C'est pas du tout des cas sociaux. C'est pas des mecs qui, tiens, au lieu d'être dealers pour sauver leur peau, ils sont devenus danseurs. Pas du tout. Et je me suis dit, les médias, ils sont à côté de la plaque. Et c'est pour ça que je me suis investie dans Yours. Et c'est pour ça, et c'est ça qui m'a donné envie d'être journaliste. C'est de voir qu'il y avait une réelle méconnaissance de cet art, une réelle méprise aussi. Bien sûr. Que c'est vraiment du mépris, genre, ah bon, c'est du hip-hop, bon bah, oui, on va le mettre dans la case sociale. On va pas la mettre dans la case art, culture, non, c'est les cas sociaux. C'est, voilà, c'est l'immigration, on en parlera plus tard, quoi. C'est vrai. Exactement. Et moi, c'était mon leitmotiv. Et c'est ça qui a finalement destiné à mon métier. Parce que je me suis dit, non, les gars, vous avez rien compris, attendez, moi, je veux leur donner vraiment la parole. Et voilà, et c'est ce que j'ai fait. Et depuis ce moment-là, j'ai jamais arrêté, en fait. D'accord, mais comment
pourquoi ils ont accepté que c'est toi qui le fasses? Voilà, donc ils cherchaient quelqu'un, donc ils étaient dans les soirées, ils allaient dans le milieu et tout ça, ils ont discuté avec les danseurs, et il y a Walid notamment, je pense comme il avait fait plusieurs, enfin ouais. Une interview dans Urs, une interview dans Radical, il a dit bah moi je connais une nana qui écrit bien, ils ont entendu d'autres personnes du coup en parler. Et t'es recommandé quoi. Voilà, j'ai été recommandée, ils sont entrés en contact avec moi comme ça, et j'ai commencé voilà, donc... comme ça, mais j'y connaissais rien au journalisme. J'aimais écrire, mais je savais pas comment écrire un article, si tu veux. J'écrivais presque de la prose, tu vois. Ouais. Je fais des interviews sans vraiment poser des questions. C'était juste des thématiques. Je sais pas si tu te souviens, Yuval, mais je mettais thématiques, genre le cercle, et je le faisais. Moi, je me souviens. Pas de questions, vraiment. Tu Moi, vois. Je me souviens qu'il fallait qu'on passe par toi pour exister. Bah, c'est vrai qu'à ce moment-là. Faut être honnête. Il y avait rien d'autre qui donnait la parole et qui s'intéressait à la danse régulièrement et qui communiquait sur l'actu de la danse. Enfin, l'actu, alors on est dans les années 90, hein, on est entre 95 et 2000, il n'y a pas encore internet et tout ça, donc du coup il n'y avait que moi. Et moi je parlais d'un battle, donc il fallait que j'y sois allée, que j'ai pris des photos, que je l'écrive, que ça soit maquetté, que ça parte à l'impression, autant dire que le résultat, les gens ils l'avaient un mois et demi après que l'événement soit réellement passé. Donc à part les gens qui s'étaient appelés pour dire ouais c'est un tel qui a gagné ou quoi, c'était le seul moyen de savoir qui avait gagné, mais on le savait un mois et demi après. C'est marrant de parler de cette époque, on a l'impression de parler de Mathusalem, mais en réalité, voilà, enfin on l'a vécu. Il y a 20 ans. Quoi. Ouais c'est ça, c'était bientôt il y a 22 peine ans. 20 ans où voilà, il fallait attendre un mois et demi pour avoir son Radical et savoir comment s'était passé le battle. Quoi. Mais au moment où toi tu t'arranges avec Radical, ton but à toi c'est de promouvoir des événements. Ou plutôt, parce qu'à un moment donné, tu t'es spécialisée dans l'interview des groupes. En fait, ce que je voulais, ça a toujours été donner la parole aux danseurs et prouver qu'ils avaient des trucs à dire réellement, prouver qu'ils étaient des artistes et prouver qu'ils avaient un discours. C'était ça mon but. Donc effectivement, c'était mieux de passer par les artistes que plutôt de raconter un événement. Je l'ai fait, raconter un événement. Je me suis même pris la tête à comment décrire à l'écrit un mouvement. Je mettais un paragraphe à décrire, j'en sais rien, un enchaînement, un combo, voilà, et coupe, je sais pas quoi, tu vois. C'était un exercice intellectuel quand même balèze et quand même assez intéressant. Et voilà, on savait pas à l'époque même comment s'écrivaient les techniques, tu vois. On connaissait rien en 95. Ping, machin, tu vois, pour moi je l'écrivais pop-in avec une apostrophe. Et en fait, je me suis rendu compte qu'après, dans les événements, on écrivait pop-in avec un apostrophe, tu vois, au lieu de mettre un G. Ah, au lieu de mettre un G, ouais, exactement. Ouais, oh, voilà. C'est vrai. Et il y a eu des affiches, des gens qui faisaient dans leur battle, dans leur province, machin, et ils mettaient l'orthographe que j'utilisais, en fait. Ah, c'est parce que tu étais le magazine que tout le monde parce que tout le monde voulait savoir qu'est-ce que tu allais écrire. Le fait que tu donnes le nom, bah, pour nous, ça donnait de la crédibilité. Enfin, je veux dire, si tu n'allais pas à Châtelet-Hall pour faire ton blaze. Bah, fallait passer par Cheyenne, Gamboa. Là. C'était Cheyenne Chipcha à l'époque. Ouais, ouais. Ouais, enfin, moi, Cheyenne Gamboa, Chipcha. Maintenant, après, j'ai changé en Cheyenne Gamboa avec mon vrai nom de famille. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais la seule. Donc, du coup, il y a pas mal de gens qui venaient me démarcher, qui venaient me voir dans les battles et qui me disaient, ouais, nous, machin. D'ailleurs, vous, c'est ce que vous avez fait aussi. Bah, tout le monde. Division Alpha, ils sont venus me voir et on a fait une super interview, je m'en rappelle encore, quoi. Bah, t'as jamais eu des problèmes par rapport aux interviews des gens? Bah écoute, c'est délicat, hein, quand même. On m'a toujours posé cette question, mais en vrai de vrai, non. Il n'y a jamais personne qui est venu me dire « Ouais, machin, t'as écrit ça, non. » Personne. Mais j'ai entendu dire « Ouais, tu pourrais avoir des problèmes parce que t'as laissé machin dire ça ou quoi. » Mais c'était la parole des gens, hein. C'était « Ouvrez les guillemets, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi, je me permettais pas. » Après, dans les descriptions de battle, ouais, peut-être que je donnais... ma préférence, ou comme mon ressenti. Après c'est mon ressenti, hein, c'est ma signature en bas, ça veut pas dire que c'est le public ou le jury qui c'est ta vision, voilà, c'est ma vision des choses, donc mais, voilà, mais en vrai de vrai j'ai jamais eu de y a personne qui est venu me dire ouais, mais les interviews que t'as fait les plus chaudes pour l'époque, Division Alpha, on a contribué quand même aussi. Ah ouais, c'est clair, Division Alpha, on est pas à l'angle de notre poche. Voilà, et ça, et ça c'est, bah, comme on dit dans la presse, c'est vendeur. Le mec qui va le plus balancer, c'est celui qui va faire le plus de buzz et aujourd'hui le plus de ventes, quoi. Mais bon, à l'époque, avec Radical, on n'était pas non plus en train de calculer les ventes, etc. On n'était pas non plus là-dedans. Il n'y avait pas beaucoup de concurrence à part nous. Donc, ensuite, il y a eu l'affiche. L'affiche, non. T'es pas l'affiche ? J'ai pas. T'as pas suivi, c'était mauvais ? Je sais pas qu'est-ce qui faisait l'article pour l'affiche.
Parce qu'il y avait quand même, parce qu'au début c'était radical, ensuite il y a eu une autre magazine qui est arrivée. Mais c'était qui? Je crois que c'était l'affiche, non? C'était pas Yacine en blanc? Si, je crois que c'était Yacine. C'est possible. C'est possible. Mais bon, la référence a resté radicale. Ouais, parce qu'encore une fois, l'affiche, c'était de temps en temps. C'était pas une rubrique régulière, tu vois. Et c'est même ce que me disent les Américains, qu'on était le seul magazine radical à avoir cette rubrique tous les mois, à parler de danse tous les mois, à laisser la parole. Là, j'ai fait une couve avec les Rocksteady Crew, avec une affiche extrait de Wild Style, avec un dossier de 20 pages à l'intérieur. Là, on voit tous les petits. C'est la première fois. Ouais, exactement. Là, on voit tous les petits. Sur le mur. C'est une couve en noir et blanc. Ouais. Ouais. Et ils me disent eux-mêmes, on n'avait jamais fait de couve comme ça, même dans notre propre pays. Donc voilà, donc ils sont encore hyper fiers. Enfin, quand je croise Crazy Legs notamment, il est vachement reconnaissant. Il me parle encore de cette interview et de cette couve, quoi. Parce qu'à l'époque, peut-être tu faisais partie des gens qui avaient le plus de savoir sur le milieu. Est-ce que tu as interviewé des personnalités et qui t'expliquait des fois l'histoire de la danse, des choses comme ça. C'est ça. Alors que nous, on vivait la danse, mais on ne connaissait rien. Parce qu'il n'y avait pas encore vraiment la globalisation du voyage pour les danseurs hip-hop à ce moment-là. C'est venu, voilà, justement, à la fin des années 90, où ils ont commencé à s'exporter, à aller voir ailleurs. Et là, du coup, ben, on a eu une autre résonance. Mais moi, je suis partie peut-être à ce moment-là ou un peu avant, à New York, rencontrer les gars grâce au magazine Radical, qui me finançait pour aller... ramener ces interviews là, rencontrer tu parles anglais et tout? Ouais, je parle anglais. Les gens ils parlaient pas anglais, hein. Il y a ça aussi, ouais. Et donc du coup, bah ça m'a permis d'apporter les premières infos en fait. C'est sûr. Justement aux danseurs, à la communauté française de basiquement quoi. Voilà. Après ils sont venus les Américains, après les Français sont diamants de groupe tout ça. Il y a eu pas mal de choses. Plein d'infos qui ont circulé après, mais c'est vrai qu'au début j'avais pu rapporter les infos un peu comme ça. Et t'as fait beaucoup de genre de pionniers au début ou c'est par la suite? Parce que quand t'as fait les Rocksteady, c'était important quand même. Ouais, mais je pense que c'était un peu au fur et à mesure et que tu croisais. De mes rencontres. Ouais, voilà, exactement. T'allais dans les événements, t'avais été au B-Boy Summit, non? Ouais, j'étais au B-Boy Summit. Je me rappelle. Et cette année-là, bah, y avait pas grand monde. C'était l'année juste avant que justement Walid et Salah y aillent. Donc c'est 2001, t'as été? 2002? Mais il n'y avait personne hein, en français cette année-là. Parce que 2000, c'est Walid qui gagne. Donc j'étais allée l'année d'avant, moi. 99. Voilà, 99. Ouais. Et là, j'ai fait l'interview de Don Campbell, tout ça, ouais. Le truc qui n'avait jamais été fait en France, tu vois. Moi, c'est un peu effectivement, quand j'avais été au B-Boy Summit, bah, il n'y avait pas de français à part moi, je crois. S'il y en avait un, je sais que j'avais rencontré, alors je ne me souviens plus de son nom, mais là-bas, un français qui s'était exporté. Samy, peut-être, ou quelque chose comme ça. En 99. Ouais. Bah les quand on connaît les B-Boy Summit qu'à partir de vraiment grâce à Walid avec le funk style. Ouais. Ensuite c'est 2001, c'est Sally Sly qui enfin c'est toute la trip, enfin c'est toute la génération 2001 2003, c'est Claise, c'est Junior Almeida, c'est Funky Fouad, c'est Funky Legs, c'est eux vraiment qui foncent là-bas. Guy, Smiley, tout d'un coup, t'as une émergence du pop français qui part au Summit. Ouais, mais pourquoi? Parce que justement, j'avais fait cet article un an avant pour parler de cet événement et dire voilà, c'est un truc énorme, machin, il y a du debout, il y a du sol, machin, etc. Bon, du debout, il y en a vraiment. Tu t'avais bien vendu Walid par rapport au Summit, je pense. C'est possible. Bah, il y allait l'année d'après. Mais c'est vrai que du coup, voilà, c'était c'est énorme d'ailleurs. Enfin, à l'époque, cet événement, c'était énorme. J'y suis pas retournée depuis. Hein, mais Asia One. Ouais, c'était Asia One, imprenable. C'était énorme le machin. Et cette année-là, je me rappelle qu'il y avait des flics. D'ailleurs, il y avait des photos dans Radical. On s'était fait arrêter parce qu'il y avait une grande manif le dernier jour sur Venice Beach. Avec Crazy Lake dans ce milieu. Ouais, sur Venice Beach et tout. Et les flics avaient débarqué parce qu'il y avait un gars qui avait graffé sur une voiture de flic. Ah, putain. Ouais, non, mais ils en avaient parlé aux infos et tout. Enfin, ça avait été une grosse, grosse édition, je me souviens. Et Crazy Lake, il avait fait un passage avec les b-boys derrière lui, les flics en face. Ouais, exactement. Pour dire, on les enferme, c'est tranquille. Ouais. Mais ils avaient fermé, c'était exceptionnel de fermer Venice Beach, tu vois, c'est le truc, le lieu le plus touristique de Los Angeles, il avait été fermé à cause d'un mec qui avait fait un tag sur une voiture de flic, quoi. Enfin bon, c'était hallucinant cette année-là, mais c'était magique pour moi, c'est des souvenirs. Et à l'époque, tu travaillais avec Radical, tu pouvais traiter les sujets que tu avais envie, comme tu voulais. Ah bah, carrément. Alors là, il me faisait entièrement confiance,
J'avais pour le coup Fabrice Militon, voilà, c'était Christophe Wanise et Fabrice Militon, les boss de Radical. Ils m'avaient laissé carrément carte blanche et je faisais qui je voulais, l'événement que je voulais. Là, ils me faisaient entièrement confiance. Il n'y a jamais eu genre de reproche sur des choses que tu as pu écrire ou qui pour le journal n'étaient pas le bienvenu, genre de truc, non, jamais De la part de la rédaction, ouais. Des boss, jamais. Ouais, t'étais la préposée au hip-hop, quoi, pour eux. Ah ouais, j'étais chef de rubrique danse, donc ils avaient rien à dire sur ma rubrique, ils m'ont toujours fait confiance et je me suis battue. Après, le magazine a été racheté, il y a eu pas mal d'histoires, et j'ai eu Olivier Cachin rédacteur en chef. Je m'en rappelle. Voilà. Lui, déjà, c'était plus délicat, c'était moins comme Fabrice Milito, ça. Mais bon, il m'a fait confiance aussi, c'est sûr qu'au début, il se méfiait, moi je lui disais, voilà, il faut agrandir la rubrique, il faut, tu vois, encore plus de pages, et là, il me disait, non, mais attends, la danse, ça va... Vous avez 5-6 pages, je me souviens, ça suffit, tu vois. Parce que lui, c'est le rap qu'il aime. Oui, voilà, c'est ça, il mettait vraiment en avant le rap. Et c'était juste après que j'ai eu fait la couve avec le Rocksteady Crew qu'il est arrivé, Olivier Cachin. Et je lui ai dit, si t'avais été rédacteur en chef à ce moment-là, est-ce que tu m'aurais laissé faire la couve avec les Rocksteady Crew? Il m'a dit non, je crois pas. Alors que c'était une des meilleures ventes du magazine. Tu te rends compte? Ah ben, je l'ai le magazine. Ouais, mais tu te rends compte que... Parce que ce magazine, c'était pas que pour les danseurs, c'était pour les rappeurs, enfin pour toute la communauté, machin. Il les a tous, c'était un des mieux vendus. Ça a été une des meilleures ventes. C'est fou, quand même. Ouais, parce que c'est la couverture, c'est la couverture, ouais, ils sont tous devant le mur avec Ken Sweet, ouais. Ils sont tous là, que des portoricains. Et quand tu vas chez Airstyle, il y en a plein de radicales de cette époque-là. Au cas où toi, tu les aurais plus. Ouais, non, mais c'est important, je pense, d'avoir ces documents-là. Ça fait partie, ils sont aussi à la Bibliothèque Nationale de France. Tu vois, un jour, j'ai rencontré un mec, il m'a dit, oh, c'est vous, mais je sais plus où j'étais en Allemagne, dans un truc de danse. Il m'a dit, ah, c'est vous, mais tu sais, un mec en costume, rien à voir. Oui, il me dit, ah, j'ai fait une thèse sur le hip-hop et j'ai lu tous vos magazines à la Bibliothèque Nationale de France, à la Bibliothèque... François Mitterrand, tu vois, j'ai fait waouh. Alors ça. Alors, on te lisait tous pour l'époque. Après, moi, je pense que tu devais peut-être un peu avoir la pression parce que t'as des gens qui. Tout le monde devait te solliciter pour. C'était un. En plus, c'est difficile parce qu'en plus, je suis une nana. Bah oui, t'es une fille, donc c'est très. Donc c'est encore plus compliqué. Et en même temps, je pense que du coup, ça tempérait aussi les gars. Peut-être que de gars à gars, il y a des gars qui auraient pu mettre la pression à un autre gars en disant vas-y, fais-moi un article et tout, machin. Là, comme j'étais une nana, en même temps c'était délicat et en même temps ils osaient pas non plus venir et me mettre trop la pression en disant ah. Ils me demandaient gentiment, c'était bon, c'était plus. Mais toi, tu préférais quoi? Tu préférais plus la danse debout ou le break? C'est difficile à dire quand même. C'est difficile à dire parce qu'il y a beaucoup de. Il y a un truc que je peux dire que j'aime pas. Je peux plus dire ce que j'aime pas. Enfin, je vais peut-être blesser des gens, mais. Des gens, tu veux dire? Des filles qui font du pop. Ouais. Ça, c'est un truc que je n'ai pas réussi à trouver, ça pas grâce à mes yeux, quoi. Ouais. Je trouve pas ça très gracieux, je trouve pas ça... Dans tout le reste, tu vois, je trouverais toujours quelqu'un qui me séduit en lock, en une fille en break, tu vois. Il n'y a aucun souci, mais alors des filles en pop, jamais j'ai eu un coup de cœur en disant « ouais, c'est beau ». Non. Alors que dans toutes les autres disciplines, ouais. Des trucs. Je vois. À un moment donné, il y a l'épée de Damoclès qui tombe, il y a Internet qui arrive. Ah ouais. Et là, du coup, j'ai pris une claque. Et, en 2000. Et ma rubrique a pris pas mal de revers parce que si j'arrivais un mois et demi après que tous les résultats aient été diffusés sur Internet, là, ça n'avait plus de sens. Mais en même temps, je ne peux pas accélérer. Je travaille encore dans un magazine mensuel. C'est toujours ça prend un mois à fabriquer. Hein. On ne peut pas aller plus vite que la musique, quoi. Et encore, maintenant, on a des photos numériques, on a des mails et tout ça. À l'époque, c'était pas ça. Il fallait que j'aille au bureau, taper mon texte, que je fasse des photos, qu'on tire les négatifs. Enfin, tu vois, c'était quand même une autre époque, quoi. Mais ça prend toujours un mois à faire un mensuel. Et donc, du coup, j'ai pas réussi à coller à l'actu. Et du coup, effectivement, je pense qu'à ce moment-là, c'était plus compliqué pour Radical, en règle générale, et pour moi aussi, quoi. Parce que je me suis fait dépasser par Internet, même si je pense que j'apportais quelque chose d'autre. C'est-à-dire que
Sur internet ça va vite, on a les résultats, on a les vidéos et tout ça. Mais moi j'avais quand même le discours du mec qui avait gagné, le discours du jury, qui ne disait pas sur sa vidéo pourrie d'internet où on voyait mal, tu vois. Ah, à l'époque c'était chaud les vidéos. Ah, c'était super chaud. Et t'as remarqué qu'on voyait jamais la tête des gars non plus, tu vois. On savait pas vraiment à quoi ils ressemblaient, on connaissait par cœur leur danse parce qu'on regardait les vidéos en boucle. Mais sinon les mecs, on savait pas quelle était leur gueule, ni même quelle était leur voix. Des fois on a eu des surprises quand on a entendu leur voix, quoi, tu vois. Et en plus on avait pas les il y avait pas beaucoup d'interview de danseurs. Exactement. C'est-à-dire que ça pouvait être la force, que des retours de battle, on pouvait savoir qui avait gagné, qui avait perdu, à la rigueur. Mais les interviews de danseurs, non. Ouais. Même quand j'étais au Miami Pro-Am. Au Miami Pro-Am. T'as été quand, en 2000? J'étais avant vous. T'as été en 80? Ou j'étais en même temps que vous. Non, t'as été en 2000 avec nous. J'y suis plein de fois par contre. En 2000, on s'est là-bas qu'on s'est croisés en 2000. Ouais. C'est le jour de la consécration de Benji. Et ouais. T'as même fait un article là-dessus. C'était canon. Ça l'a grave aidé. Hein. C'était canon. Ah ouais, ça c'est un souvenir impérissable. Où je lui ai dit ouais, parce que j'avais interviewé Ken Swift pendant la pause, il m'avait dit ouais, non mais Benji, bien, mais il fait pas assez de top rock le mec et tout, machin. Je me rappelle. Tac, je vais faire l'interview de Benji, je lui ai dit ouais, voilà, Ken Swift, il a dit ça, nanana, tu te rappelles, et du coup, Benji, il a sorti son six-step, genre regarde mec, je suis en train de. Je sais faire des. Je sais pas, ils font des choses. Des footwork, ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'était drôle parce que du coup je me dis peut-être que j'ai influencé le battle, tu vois, puisque je vais faire l'interview de Ken Swift qui me dit ouais il fait pas de footwork machin, je vais voir Benji, je lui dis ouais tu sais il vient de dire que tu fais pas de footwork, il fait ok, et du coup et après à la finale Lil Rock il a fait des footwork pour dire à Ben en gros bah écoute moi je suis un vrai b-boy, j'ai les bases, et heureusement Ben il avait déjà les six steps sauf qu'il les utilisait pas trop, c'était pas son break quoi, mais il savait les faire, ouais. Heureusement. Ouais, non, c'était mortel. C'était mais génial. Toi, t'avais fait un article sur le programme, je me rappelle. Ouais, j'en ai fait plein, parce que j'y allais tous les ans. J'y suis allée aussi quand il y avait Nel et Bibiche. Ouais. C'était l'année d'après, je crois. Avec Franck DeLouise, exactement. Voilà, il faisait un documentaire dessus. Non, non, bah, c'est notre dessinamé, Booba. Ouais, on se retrouvait là-bas. C'est nos vacances. Il y avait de plus en plus de monde qui allait, hein. Tu te souviens, au départ, bah, il y avait que nous, je crois. Non, au début, 2000. Les seuls Français. Français, il y avait beaucoup de monde. Et puis après, tout le monde a commencé à venir et tout ça. Et puis voilà. Mais bon, ouais, radical, tout ça pour dire, j'ai vécu des... ça reste encore dans ma carrière de journaliste hip-hop, c'est mes plus belles années. Radical, c'est... Tu les revois quand C'est toujours un pincement au cœur quand j'y repense, quoi. Et je rêve encore qu'il y ait un magazine comme ça qui sorte, quoi. Ou même que ça en devienne une émission de télé, comme on avait parlé à l'époque. Ouais, je me doute. Ouais. Enfin, t'as dû avoir les sirènes de beaucoup de gens qui ont chanté, et pas forcément les résultats. Ouais, c'est tellement dur. C'est dur, les médias, quand même. Et le monde des gros médias et tout ça, Internet, c'est tellement bien, les vidéos virales, c'est tellement facile, rapide, tu peux vraiment impacter tout de suite. Mmh. Mais les gros médias, les chaînes de télé, les documentaires, enfin, je te parle de quelque chose, là. J'avoue. Je suis en plein dedans, même. Ensuite, on t'a retrouvé, je crois que t'as travaillé pour... Alors après, j'ai bossé un an, alors ça c'est moins connu, mais pour l'émission, la seule émission que France Télévisions a fait sur la culture urbaine, ça s'appelait Culte. Culte, le moins connu ça j'avoue. Ouais, et là j'avais ma chronique hip-hop donc sur France 5, donc c'était ma première télé, j'étais hyper contente, France 5, la chaîne du savoir, tu vois. C'est ça. J'avais été castée pour faire ça, c'était top quoi, du coup... c'était top, ça a duré qu'un an comme à la télé, tu vois, tu rentres, tu sors, bye bye, on t'oublie, tu reviens, super, hein, t'es génial, et puis après, pff, t'existes plus, enfin tu vois, la télé c'est hyper dur pour ça, et donc cette émission n'a vécu qu'un an. On est en 2001, 2002 Non, on est plus tard là, je crois qu'on est 2004. 2003-2004, ouais. D'accord, émission. Ensuite t'es... C'est ensuite, c'est la fin de Radical. Donc Radical pour une sombre histoire de rachat, de trucs. Parce que ça se vendait très bien. C'est pas du tout parce que ça se vendait plus qu'on a arrêté Radical. Hein. C'est vraiment une histoire de magouille. D'OPA. De presse, ouais. Et donc du coup, on a été coulés, vraiment. Et donc du coup, le magazine s'est arrêté comme ça du jour au lendemain. Donc t'as fait de 95 à 2004, t'as fait 9 ans chez eux. Ouais. Ah ouais, quand même. Mmh. Ah ouais, ouais, non, c'était des années magnifiques. Et ensuite, du coup, donc France 5, et après, bah, Juste Debout Magazine. C'est ça, JD. Voilà, Bruce, donc, que j'avais interviewé dans Radical, parce qu'il avait gagné le battle de Saint-Denis. De la Bilcatessence. Exactement. Il avait gagné le battle de Saint-Denis, il m'avait invité à voir les 10 commandements.
Il jouait dedans à l'époque et il était avec Didi, avec Régis Truchy, Gator par la suite. Enfin voilà, c'était une belle Voilà, époque. exactement. Il m'avait invité, et là, je me souviens très bien dans les coulisses de Dédic au moment, il me dit non, mais j'ai une idée et tout, je veux vraiment faire un truc. C'est vrai qu'il commençait à y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de battles de break. Enfin, pour l'époque, hein, c'est d'un coup, il n'y avait pas grand-chose, et puis tout d'un coup, on Ah ouais, ça a commençait à en avoir explosé. beaucoup. Voilà. 2004, ça explose de toute façon. Et là, du coup, il me dit ouais, je veux faire un truc pour le debout, quoi. Et je fais waouh, c'est une excellente idée, quoi, tu vois. Et donc, du coup, bah, après, voilà, il a fait son événement, je l'ai suivi pour Radical encore, je crois que ça Son existait événement, c'est encore à 2002. l'époque. Voilà, ouais, donc du coup, ça existait encore Radical. Donc j'ai soutenu sur les premiers événements. Et puis voilà, au bout de 2-3 ans, donc 2004, il me contacte et il me demande, il me dit, je veux faire un magazine comme le Dance Delight, en fait, avait son Ah magazine. Voilà. Et donc du coup, on a fait. Il m'a dit, je te donne les rênes, tu serais la rédac chef. Alors j'étais trop contente, parce que passer de chef de rubrique, c'était déjà bien, à rédac chef, c'était excellent. Donc du coup, avoir les rênes d'un ouais. magazine, Je savais pas que d'un c'était la magazine qui rédac. soit. J'étais rédactrice en chef, un magazine qui soit, mais c'est lui qui m'a donné les rênes. Hein. Il m'a dit, vas-y, je te fais confiance, puisqu'il suivait mes articles depuis un moment aussi. Et donc, du coup, on a fait un truc plus large que le hip-hop, et là, du coup, on a fait toutes les danses. Donc voilà, on Est-ce a que j'ai fait. compris ça? Ouais, on a fait ça. C'était un sacré travail de monter un magazine à partir de rien, pas dans une vraie structure de presse en plus, que du coup, c'est dans la structure de l'événement, dans l'association de l'événement, tu vois. Et de distribuer, de faire du porte-à-porte dans toutes les écoles de danse. Voilà, on représente un Je me rappelle, c'était magazine de partout. danse gratuit. Mais Voilà, c'était pour c'était. promouvoir quoi? C'était pour promouvoir son école de danse ou pour promouvoir... Non, il n'y avait pas d'école Il n'y a de pas encore danse à l'école? l'époque. Non, Pour non, non, non. promouvoir son événement en fait. Son événement et sa vision. Même pas, c'était. Ouais, plus pour la vision. En fait, moi, ce que je lui ai dit, tu vois, qu'on pouvait se baser sur le fait de dire, c'est le magazine des autres danses. Parce Ouais. que. En danse, bon, on avait le magazine Danser, c'est le magazine Je me rappelle. officiel, C'est voilà. pour tu veux C'est dire... très contemporain, très Contemporain, voilà. classique, Classique. voilà. C'est ça que Et je la vois. danse hip-hop, ils le traitent pratiquement jamais, quoi. Non. Voilà. Encore du mépris. Donc c'était parfait pour ma vision des choses à moi, puisque entre-temps, j'ai fait des études de journaliste, tu vois. Je me suis formée, j'ai J'ai fait vu des sur ton écoles et tout CV. ça. Ouais, voilà, j'ai fait des écoles, etc. Donc du coup, je savais maintenant quelle était vraiment réellement la technique journalistique. Et du coup, voilà, j'ai dit, bah voilà, nous on va faire un magazine à l'inverse, où de temps en temps on parlerait de danse classique, danse Je me contemporaine, rappelle, machin, j'avais vu ça. pour remettre un peu à niveau, tu vois. Donc du coup, bon, ils ont grincé des dents, hein, quand ils nous ont vu arriver. Alors, au début, ils nous méprisaient, comme d'habitude, juste debout. Non, merci, ça ne m'intéresse pas. Et puis au bout d'un moment, ils s'intéressaient quand même à nous. Voilà, les marques de danse même genre contemporaine, genre Sancha, machin, ils ont été intéressés. On s'est battus. Enfin, j'ai découvert aussi le métier de commercial, parce que du coup, je faisais aussi. Tout ce qui était pub, de représenter le Les fonds. magazine, de. Voilà, les fonds. Après, ils venaient de l'association et de l'événement. Mais puisqu'on voulait que ça reste gratuit aussi, tu vois. Parce qu'on s'est posé Ouais. la question, est-ce qu'on le met en payant ou on laisse gratuit? Et nous, on voulait vraiment que ça reste gratuit pour que la parole, elle reste gratuite. Libre. Qu'il fasse passer son message aussi. Il avait une rubrique qui s'appelait Coup Le de coup de gueule. gueule, Je m'en voilà. rappelle. Le coup de gueule où il parlait d'un truc qui lui tenait à Bon, souvent cœur. un rapport entre les contemporains et l'univers du hip-hop. Les danseurs mal payés, tout Ouais, ça. c'est clair. On a tapé, il faut dire d'accord. Donc Ouais. on a été ouais, au magazine, l'argent, Ouais, Juste Debout t'as Magazine, trouvé des donc fonds? subventionné donc grâce à l'association, grâce à l'événement et tout ça. Vous avez réussi à trouver de l'argent quand même pour financer l'événement ou bof? Pour financer l'événement. Je sais pas, moi Bah, pour j'étais pas financer dans le. l'événement, Pour j'étais financer vraiment le. en Excuse-moi, pas magazine. l'événement, pour financer le magazine, excuse-moi. Oui, bah du coup on Un arrive à le peu? sortir, mais ça coûtait un bras, hein, de fabriquer un magazine comme ça, parce qu'en plus on le voulait qualitatif, on voulait qu'il soit gratuit, mais qualitatif, tu vois, Tu veux dire la couve, elle était l'architecture a été bonne, brillante, en couleur, tu ouais. vois, parce que tu vois, tout coûte, hein, papier, l'épaisseur du papier, ça coûte, tu vois, Et ça, c'était tous les mois. c'était un mensuel. Non, bimensuel, excuse-moi. Bimensuel, ouais, tous les 2 mois. Tous les 2 mois, Ok, donc exactement. c'était dans toutes les écoles, ça, je me rappelle, parce que Toutes les écoles de danse, ouais. D'accord. Donc Ensuite... voilà, donc ça a duré 5 ans. Ensuite, j'ai débarqué sur Canal Street. Ouais, à la télé. Je connais, moi, ton parcours, hein, je le Ouais. connais. Canal Street. Alors j'ai écrit un bouquin entre-temps aussi. Ouais, mais j'ai failli, je voulais t'en parler de ça. C'est très important.
Ouais, le bouquin, on l'a tous lu. Moi, je l'ai encore chez moi, je le relis des fois. Voilà, ça, c'est mon rédacteur en chef de Radical, qui lui écrivait déjà des bouquins sur le rap, etc., qui m'a dit, voilà, écoute, je suis directeur de collection, je voudrais un bouquin pour les éditions Scali, je voudrais un bouquin sur la danse hip-hop, et bien sûr, c'est toi qui dois l'écrire, quoi. Ouais. Donc j'ai fait, waouh, le défi, quoi. J'étais enceinte en plus, mais bien enceinte, quoi. Et donc du coup, j'ai relevé le défi de l'écrire. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment que je regroupe toutes mes connaissances, toutes les interviews que j'avais vécues depuis 90, donc mes premières interviews, mes premières rencontres. Tu les as synthétisées, tu veux dire ? Ouais, il fallait synthétiser tout ça, parce qu'il fallait pas non plus que ce soit un truc fleuve, il fallait pas non plus que je prenne juste mes interviews et que je les remette comme ça, il fallait que ça reste un livre, donc qu'il y ait une cohérence littéraire dans le bouquin, quoi. C'était pas juste des... Tu vois. Donc très dur, un exercice très difficile. Préface de Joey. Avec une préface de Joey Starr, tout à fait. Je suis super honorée et je l'en remercie encore énormément de m'avoir accordé cette préface, parce qu'il a raconté super bien son histoire dedans. J'ai passé toute une journée avec lui, il a vidé son sac, quoi, sur toutes ses impressions par rapport à la danse, sur son histoire et tout ça. Et bon, c'est une synthèse qui se trouve dans la préface, mais en tout cas c'est une très belle histoire. Et le magazine, il a fait beaucoup de bruit quand il a sorti le bouquin à l'époque. Ouais, mais encore une fois, je te dis, les bruits, ils n'arrivent pas forcément jusqu'à moi. Je sais que ça fait du bruit, mais après... Mais il était d'utilité publique, parce qu'il y a beaucoup d'informations pour quelqu'un qui découvre la culture hip-hop. C'est ça, c'est qu'on m'avait dit, jeunes, on avait en tête à cette époque-là, je ne sais pas si tu te souviens, les jeunes, ils ne s'intéressent pas à la culture, ils ne connaissent pas. Ils posent pas de questions aux jeunes, et tout, aux vieux, aux anciens, machin, que les anciens, ils sont là, machin. Bon, après, il y a une différence de posture aussi qui est compliquée quand même, tu vois. Et... J'ai bien saisi. Donc on en était à un moment donné, la fin du magazine. Juste Debout Magazine et début de Canal Street. Mais ça se finit comment, Juste Debout Magazine, pourquoi ? Je pense que ça coûtait très très cher. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça qui a joué, quoi. C'était plus de 20 000 euros par numéro. C'est un budget de ouf. Mais ouais, c'est énorme. T'imagines tous les deux mois. Je pense qu'ils voulaient restructurer l'événement et tout ça, donc du coup, c'était pas ça qui rapportait le plus, quoi, tu vois, ça, c'est vrai que ça apportait une parole, etc., mais bon, c'est plus dans la philosophie du truc, mais finalement, concrètement, dans le business, ça rapporte rien du tout, un magazine gratuit, quoi, tu vois. Je vois. Donc bon, voilà, ça s'arrête, mais ça, 5 ans quand même, enfin, je veux dire, c'est beaucoup. Ok. J'ai proposé un concept à Canal Street. Ah, c'est toi qui l'as proposé ? Ouais. J'ai proposé le concept backstage, c'est effectivement, c'est transposer ce que je faisais dans Radical, aller dans les backstage des battles, parler aux gars et tout ça, mais en image, vous emmener dans les coulisses, et puis voyager dans le monde entier, et c'est ce qu'on a fait, donc avec Canal Street, on a fait... T'as fait les Red Bull, tout ça. J'ai fait presque... les Red Bull, depuis Radical, je les ai suivis énormément, je crois que même... Je sais même pas s'il y a un journaliste dans le monde qui a suivi autant de BC One que moi, tu vois. J'étais à 90% des BC One internationaux. Donc je connais très bien cet événement. D'accord. Et ça, avec ça a duré combien de temps, ça, cette aventure ? Canal Street, 5 ans aussi. 5 ans ? Ouais. 5 ans de Canal Street, d'Urban Backstage. Donc, courir dans les coulisses et tout ça. On est passé entre les gouttes parce que c'était compliqué aussi à Canal+, et ils ont arrêté pas mal d'émissions. Et Urban Backstage, à chaque fois... Ça passait, on reconduisait. Si, c'est très difficile, les gros médias. Et au bout de 5 ans, ça s'est arrêté. Le Canal Street s'est arrêté. Mais c'est toi qui avais combien de dossiers à faire par an ? Alors, au début, plus qu'à la fin, c'est sûr. Au début, je crois qu'on avait 30 émissions par an. Putain. Non. Ouais. Parce que ça fait quand même 2 par mois, à la limite. Ouais. Non, ça devait être moins. Ça devait être 20, et à la fin, 15, 10, tu vois, dans la dernière année, quoi. Les contrats, ils diminuaient pour des raisons de budget, pour des raisons de... Parce que je pense qu'ils savaient déjà que c'était bientôt la fin de Canal Street et que c'était pas la peine non plus de sortir trop d'argent là-dessus. Toi, tu l'avais compris depuis longtemps que ça allait être la fin.
Ah bah je, non, tout a une non, fin. Non. De toute façon, dans les gros médias comme ça, regarde bien, tu regardes ta télé, tu vois, il y a des émissions, elles font deux soirées, ou deux soirées, s'il n'y a pas assez d'audience, au revoir tout le monde, quoi, tu vois. Donc je sais que c'est comme ça, je sais que c'est difficile. Après, j'avais des super bons retours de l'émission. En général, la communauté, elle me faisait des bons retours aussi. Ouais, parce que t'as une proximité avec eux de vous. Donc voilà, après, ce qui a été compliqué pour Urban Backstage par rapport à sa visibilité, c'est que Canal Street ne voulait pas aller sur YouTube. Et ça, si t'as pas YouTube aujourd'hui, c'est quand même... Putain. Ouais, ils voulaient garder l'émission sur la plateforme de canalplus.fr. Donc du coup, ça manquait de visibilité. C'était dur pour moi de dire allez voir, parce que tout le monde n'a pas le réflexe pour aller voir des breaks ou des battles, d'aller sur la plateforme de canalplus.fr. Donc voilà, ça a été compliqué. La dernière année, ils ont accepté qu'on mette sur YouTube les émissions. Voilà, il y en a une, celle au Shell Battle Pro, du coup, elle a dépassé 1 million de vues et tout. C'est super, tu vois. Mais voilà, il fallait aller sur YouTube. Mais il aurait fallu y aller beaucoup plus tôt, mon avis. T'as fait Shell Battle Pro, t'as fait War Street Dance. Alors, ouais, en plus j'en ai fait en présentation live aussi, Battle of the Year, j'en ai présenté deux en live. Là, c'est un autre exercice encore que j'avais jamais fait, que j'ai eu la chance de faire avec Canal+, donc ça c'est... T'as même fait les off du Battle, pas le off, t'étais même dans le camion là au début, c'était toi la première. Ouais. Oui, non, mais j'avais fait Eurosport, j'avais fait les commentaires off, truc de ouf avec Eurosport, t'as le casque sur les oreilles. Eurosport, c'est une chaîne internationale, donc t'as un rédacteur en chef qui te parle en anglais dans une oreille, t'as un rédacteur en chef qui te parle en français dans l'autre oreille. Ah, c'est délicat. Et en même temps, tu dois faire le commentaire. Non, le truc de ouf, je l'avais fait pour Juste Debout, j'avais fait pour Battle of the Year deux fois, pour sport. Et ça, c'était aussi un autre exercice complètement ouf, quoi. D'accord, donc voilà, donc Eurosport, Canal+, et puis voilà, après Trax 20 minutes. Ouais. Et voilà. Là, t'as cartonné là dernièrement. Là, on a fait un gros dossier avec 20 minutes, je suis super. Là, t'as cartonné de fou, tout le monde l'a lu ce truc. Ça, c'est cool. Je suis très contente, merci à vous, merci beaucoup. Ça, par contre, je peux dire qu'on a. Merci à tous ceux aussi qui ont fait les interviews avec moi, qui ont accepté, parce que c'est vrai qu'on a fait ça quand même pas mal dans le speed aussi. En mois d'août. Mais voilà, mais heureusement, voilà, en plein mois d'août, mais heureusement, j'ai des connaissances aussi qui font que là, ça me permettait d'écrire. J'aurais même pu écrire pas mal, certains articles sans déranger, sans intervenant. Mais effectivement, voilà, pour 20 minutes, il faut aussi de la voix ça, de. Et ça, c'est un truc qu'ils vont rééditer, tu penses, ou... Franchement, je pense pas. C'est tellement un gros dossier là qui, tu vois, il n'y a pas de... Et ça, c'est en complément de la communication Flying Illusion. C'est un partenariat, en fait. Donc, effectivement, je pense que Red Bull, du coup, a mis pas mal de billes pour que ce dossier se fasse. Et je les en remercie. C'est formidable, tu vois. Parce que, du coup, est-ce que 20 minutes aurait eu vraiment les moyens de faire autant d'articles sur juste le break? Je sais pas, ils l'auraient pas fait spontanément non plus, donc c'est une demande aussi qui vient de Red Bull, et voilà. Mais parce que j'ai vu que t'as fait, que je t'ai suivi, j'ai vu que t'as fait quelques villes, mais j'ai l'impression que les villes que tu fais, c'est les villes où eux ils vont venir. Exactement. C'est ça. Oui, c'est tout à fait. Comme ça, j'ai compris. Tout à fait ça. Ce sera donc. Sur il est bon, Guillaume. Ce sera sur le web et en print. Du coup, ça sera aussi dans l'édition locale en papier, dans les villes où il y aura Red Bull Flying Illusion qui va jouer. Donc ça veut dire que ça donne de la valeur aux acteurs de la danse de la région, et en même temps ça promouvoit Flying Illusion. C'est-à-dire que ça sensibilise en fait le public, parce que dans les articles, je parle pas du tout de Red Bull Flying Illusion, si tu regardes l'article sur Lille ou l'article sur Lyon, on parle pas du tout de Red Bull Flying Illusion dans l'article. C'est juste que quand il va y avoir Red Bull Flying Illusion sur les affiches dans la ville, les gens ils vont avoir le 20 minutes et ils vont voir sur la scène break à Lille ce qui se passe, tu vois. Charmé. Donc ils vont comprendre, c'est de la sensibilisation, et ça j'adore, parce que ça fait partie de mon métier aujourd'hui et de ma motivation aujourd'hui. Moi c'est plus sensibiliser le grand public et leur dire voilà, vous croyez que la danse hip-hop c'est un mec qui tourne sur la tête dans la rue, c'est un cas social? Non, moi je vous dis c'est des artistes. Voilà, c'est ça qui me motive tous les jours. Exactement, c'est mon propos, c'est mon slogan, c'est ce que je veux faire, et depuis toujours, et j'ai pas changé. Et je suis super contente parce que l'image au niveau du grand public a beaucoup changé, tu vois. Ma mère, elle voit plus la danse hip-hop comme quand au début, la première fois, je lui ai dit que j'écrivais un truc sur la danse hip-hop, tu vois. Donc ça, j'en suis fière et je suis très contente, et je veux continuer à accompagner cette progression. Moi, je parle au grand public. La communauté, je sais que vous savez, je sais que voilà, vous avez déjà vos moyens, vos médias. Moi, j'essaye d'être l'intermédiaire avec un grand public qui connaît pas tant que
si bien que ça la danse hip-hop, mais qui est curieux et qui a envie d'en savoir plus, quoi. Mais toi, avec toi, Trax, c'est en fait c'est les dossiers chaque mois ou chaque. Alors avec Trax et Arte, c'est plus c'est plus sur des sujets différents. C'est pas forcément sur l'hip-hop, mais plus sur une culture underground, sur des cultures. Émergente. Voilà. C'est toi qui fais les propositions à chaque fois. Voilà. Ou non, parfois ils m'en ont proposé aussi sur des artistes. T'avais bien aidé l'électro. Ouais. C'est la vérité. Hein. Tiens, faut savoir reconnaître. Mais c'est bien, Yuval, parce que toi, au moins, tu reconnais. C'est vrai que tu connais tout le monde et que tu reconnais aussi. Tu donnes la reconnaissance qu'il y a pas mal de gens qui s'en foutent et qui oublient très, très vite qu'on les a aidés, qu'on les a. Tu vois. Ah, boostés, mais nous, on n'oublie pas Division FA. Moi, Benji, on est super reconnaissants. Mais ça, c'est génial. Souvent, tout le temps, on le dit ça. C'est absolument génial. Heureusement qu'il y a des gens comme toi. Ben, si les gens, ils connaissent leur histoire, ils savent que départ, Radical. Tu n'étais pas dans Radical en 95 et 2000, tu étais une demeure. Tu n'existais pas. C'est ça qui te donnait le pouvoir, enfin, pas le pouvoir, mais qui te donnait de la visibilité au sein du milieu. Ouais. Tout le monde voulait être dans Radical. Tout le monde voulait absolument que tu viennes, que tu ailles les voir. Après, on a peut-être eu plus de chance que eux parce qu'on était dans la région parisienne. C'est vrai que c'était plus facile d'accès pour moi aussi. Voilà, quoi. C'est ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que j'ai couvert plus la région parisienne et après l'étranger que nos propres régions. Quoi. Et je te posais une dernière question. T'as vécu l'expérience tie-break. Bien. Oui, c'est vrai, tie break, j'adore. Franchement, ce projet, c'est. C'est dommage que ça n'a pas continué. Attends, c'est pas fini, on n'a pas dit notre dernier mot. Hein. Ah bah j'espère pour vous. TBK. Non, on n'a pas dit notre dernier mot. C'est une émission donc, conceptualisée par Montsef et Demi Prod. Et donc, du coup, voilà, on a écrit le déroulé, ils ont fait les rubriques et tout ça. Je suis donc, du coup. Le passe-plat en fait, la présentation, la journée. Et Cyril Hanouna de l'émission. Ouais, c'est ça, ouais. Je fais moins de blagues, moi je me déguise moins, mais peut-être c'est à penser pour les prochaines. Mais t'étais parfait dans ton rôle, je fais la vérité. Ah merci, encore une fois, j'étais enceinte jusqu'au. À chaque fois qu'il y a un gros projet, je suis enceinte comme ça, là, c'est pas possible. Mais... Donc ça veut dire que la prochaine fois que je te revois enceinte, ça sent bon pour le hip-hop. C'est là qu'il va se passer un truc de charmé qui va arriver. Faut que je me tienne près de toi. En tout cas, ouais, tie break, moi j'y crois et voilà, on n'a pas dit notre dernier mot. C'est vrai que c'est une émission longue de plateau sur vraiment un segment de la culture. Donc voilà, c'est pas forcément facile à diffuser, à distribuer si on veut faire ça bien sur des mais ça a inspiré plein de monde. Nous, ça voilà, nous a inspiré Breaking déjà, News. Déjà, je trouve ça super bien qu'il y ait eu du coup des petits, quoi. Parce que ça a fait bouger les trucs. Moi, dès que j'ai vu Tie Break, je me suis dit, bon, allez, vas-y, monsieur, il faut qu'on s'y mette. Et j'ai créé Breaking News. Ouais. Avec Gred. Et là, aujourd'hui, il y a une nouvelle émission avec de Bruce Ikenji qui s'appelle Retalk. Et c'est pareil, pour moi, l'inspiration première, c'est Tie Break, quoi. Mm. Après, je sais pas si lui, il le voit comme ça ou il le pense comme ça, mais pour moi, en tout cas. C'est comme ça que je le vois. En tout cas, chronologiquement, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. L'histoire, c'est ça. Donc, c'est vrai que là, je remercie beaucoup Montsef et Demi Prod de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné ce poste parce que, franchement, j'en rêvais. J'avais conceptualisé moi aussi des trucs comme ça pour Canal Street. J'avais conceptualisé on refait le battle. Tu sais, c'est un peu comme on refait le match, tu vois, mais on refait le battle et tout ça. Mais après, ils n'étaient pas chauds du plateau. Ils préféraient me voir sur le terrain et tout ça plus que de poser. Ça coûte cher aussi, un plateau. C'est ça, c'est ça qui est compliqué. Mais bon, voilà, du coup, moi j'avais pensé à on refait le battle, ils m'ont proposé tie break et je suis super contente. D'accord. Et le mot de la fin, c'est est-ce qu'il y a des projets futurs qui arrivent ou peut-être un prochain livre ou quelque chose que. Non, voilà, ce sourire là. Bon, okay. Vous le saurez, suivez-moi, vous verrez bien. Très bien. Bah, ok, bah, je te remercie. Non, merci à toi, Yuval, franchement. Bah, merci à toi surtout. Et dédicace à Franklin en passant. Yes. Peace.